Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur Isaac Kaninda. Nous sommes au-devant de vous pour vous exploiter un thème qui dit « Rappelle-moi, je me souviendrai de toi ». Mais avant de commencer, laissez-moi remercier le Seigneur du Tout-Puissant qui nous a accordé le souffle de vie, qui nous a accordé sa grâce et son amour pour pouvoir nous retrouver sur ces lieux. J'ai dit aussi merci à mon pasteur, le révérend pasteur Georges Badinga, mon formateur que j'aime bien. J'ai dit aussi merci à mes deux orateurs qui m'ont répondu favorablement en répondant à mon invitation avec honneur. Vous allez suivre leurs interventions juste après moi. J'ai dit aussi merci à tous les jeunes de la paroisse Ebenezer pour leur soutien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous passons directement à l'essentiel de cet après-midi. Nous allons parler sur le thème qui dit « Rappelle-moi, je me souviendrai de toi ». Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler c'est quoi SLIVE. Je vais vous donner c'est quoi la vision SLIVE. SLIVE n'est rien d'autre qu'une session vidéo que nous organisons à chaque trimestre pour permettre aux jeunes serviteurs de Dieu de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vous parvenir à vous toucher, à vous édifier, ainsi qu'à vous exhorter. Alors ne soyez pas surpris, à une prochaine édition qui sera organisée d'ici là bientôt, vous serez informés. Et ouvrons tous nos Bibles, nous allons consulter le prophète Ésaïe, le chapitre 38, du 1er au 5e verset, et nous allons sauter pour lire le 18e et le 19e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage vers le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. » J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Les vivants, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous parlons avec tout cœur aujourd'hui. En soi ici, il s'agit du grand roi Ézéchias qui allait bien comme toi et moi, qui espérait aussi un avenir meilleur comme toi. Mais contre toute attente, on dit qu'il fut malade. Il tomba malade, espérant que cette maladie pourra finir et il pouvait avoir la guérison. Un matin, il reçoit le prophète Ésaïe chez lui. Lui qui pensait que non, cet homme de Dieu est venu m'apporter une bonne nouvelle. Au contraire, c'était encore le pire. Il lui dit, donne tes ordres à ta maison, car d'ici là, bientôt, tu vas mourir. Et quand il a reçu le message, il a fait une courte prière que j'ai beaucoup aimée. Il a dit à l'Éternel, souviens-toi de moi. Comme notre souter, comme notre grand thème est en train de bien nous dire, souviens-toi de moi. Bien-aimé, avant de commencer, nous allons d'abord définir les concepts clés qui font l'objet de notre thème. C'est quoi un rappel? Un rappel n'est rien d'autre. C'est un mot qui vient du verbe rappeler, ce qui signifie appeler pour faire revenir. Et moi, c'est un pronom personnel de la première personne du singulier et de déjà représentant la personne qui parle. Un souvenir est l'ensemble de choses que l'on conserve physiquement ou que l'on garde en mémoire
et qui nous rappelle une situation passée. Donc, quand on parle d'un souvenir, on voit des expériences d'une vie passée. Et toi, qui m'entends ce soir, la définition veut dire un pronom personnel de la deuxième personne, du singulier et de deux genres qui présentent la personne à qui on s'adresse. D'où carrément vous comprendrez que le thème devient encore plus clair. Rappelle-moi, je me souviendrai de toi. C'est-à-dire, celui qui parle si ce n'est pas toi. Celui qui parle si ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton père, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Parce que le moi à qui on doit s'adresser, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que lorsqu'il est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, va parler aux enfants d'Israël. Moïse a dit, comment est-ce que je vais leur dire? Il a dit, oui, tu leur diras que le Dieu Je Suis t'est apparu. Donc je comprends quelque part que le nom de Dieu, le plus meilleur, s'appelle Je Suis. Pourquoi il dit Je Suis? Il voulait dire à Moïse que pendant votre moment de détresse, moi je serai là pour vous soutenir. Pendant votre moment où vous serez seul, moi je serai Emmanuel. Pendant vos moments de difficulté, moi je serai là pour vous amener dans la facilité. Pendant vos moments de pleurs, je serai là pour vous essuyer des larmes. C'est-à-dire, quand tu dis Je Suis, tu dois accompagner un complément. Tu ne dois pas laisser Je Suis tel quel. Non, tu dois accompagner un complément ou soit un adjectif qualificatif. Soit je suis intelligent, je suis fort. C'est-à-dire, à tout ton problème, Dieu a déjà une solution. Si tu es stérile, il est ta fécondité. Amen, amen. Alors, nous sommes aussi en train de parler pour le toi. Comme le moi désigne déjà Dieu, donc le toi, c'est toi et moi qui cherche la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et son amour. Parce que sans son amour, sans sa grâce, sans sa miséricorde, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et nous allons passer directement au type de souvenir. C'est une introduction. Nous aurons encore une édition où nous aurons à vous parler en long et en large. Type de souvenir. Bien aimé, tout d'abord, je voudrais d'abord vous mettre d'accord qu'en domaine ou en matière de souvenirs, Dieu n'est pas le seul acteur. L'homme peut aussi se souvenir. Donc, en ce que j'ai fait comme recherche, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs sortes de souvenirs, mais j'aimerais un peu regrouper ça en trois parties. Il y a le souvenir du Créateur. Il peut se souvenir de son alliance envers son peuple. Il peut se souvenir de sa grâce. Il peut se souvenir de son alliance. Il peut se souvenir de son amour, de ses promesses aussi envers son peuple. Et il y a aussi les souvenirs de la créature. Toi et moi, tu peux te souvenir de moi et moi aussi je peux me souvenir du Créateur. C'est-à-dire, dans les côtés du souvenir des créatures, nous voyons que la créature peut avoir des sens. La créature peut se souvenir de son créateur, la créature peut aussi se souvenir de sa ressemblance. Et il y a aussi les souvenirs d'un passé, qu'il soit bon ou mauvais. Là, nous rejoignons la réponse d'Abraham envers l'homme riche au temps de Lazare. Il lui dit, souviens-toi, tu as vécu dans le luxe, tandis que Lazare souffrait avec ses plaies. Donc nous voyons que le passé de Lazare et le passé de l'homme riche étaient en soi un souvenir qu'Abraham demandait à l'homme riche de pouvoir se souvenir. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est un souvenir d'un passé. Amen, amen. Et j'aimerais vous parler des points d'appui qui accompagnent un bon souvenir. On ne peut pas faire un souvenir au hasard. Tu ne peux pas dire à Dieu de se souvenir de toi au hasard. Le premier point d'appui qui fait un sujet d'un bon souvenir, tout d'abord, c'est la foi. La foi. Parce que pendant nos moments difficiles, on ne voit rien, on ne ressent rien. Mais on accepte que si j'ai fait l'appel à Dieu de se souvenir de moi, il va exaucer ma prière, il va changer ma vie. Je te pose la question, quand Ézéchias a fait sa prière, quel est le sentiment? Quel est l'esprit qui l'animait que le fait qu'il disait à Dieu de se souvenir de lui, Dieu allait l'exaucer, si ce n'était pas la foi? Bien-aimé, si tu veux que Dieu se souvienne de toi, tout d'abord, aie d'abord la foi.
Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est inutile d'amener Dieu à se souvenir de toi. Or, pourquoi la foi? Parce que la Bible déclare, en tout moment, en toute situation, tout est possible à celui qui croit. Même si tu es malade, si tu fais appel à Dieu à se souvenir de toi, je t'assure que si tu as la foi, Dieu va se souvenir de toi. Pourquoi? Parce que tout est possible. Écoutez cette nuance. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, rien n'est impossible à celui qui croit. Or, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Regarde comment par la foi, tu arrives à devenir comme Dieu. Tu arrives à avoir une attitude, un attribut de Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est pourquoi la Bible pouvait dire en Hébreu 11 que la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne sent rien, mais on est sûr que si je le rappelle, il va faire quelque chose. Est-ce que pour ton problème, Dieu manque la solution? Est-ce que pour les problèmes qui te tourmentent à l'université, dans la vie sociale, est-ce que Dieu manque la solution? Non, il te manque juste la foi. Il te manque juste la foi. Donc, active ta foi. Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Donc, nous comprenons que la foi est le premier point d'appui pour faire à Dieu un bon souvenir. Deuxièmement, c'est le bienfait fait au nom d'un vrai amour. Tu ne peux pas amener Dieu à se souvenir de toi aussi longtemps que tu n'as pas fait quelque chose de bien. En quoi est-ce qu'il va se souvenir de toi? Quand j'ai développé cette partie, j'ai trouvé que en Jopé, il y avait une fille au nom de Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Alors, un jour, contre toute attente, la mort frappa sa porte. Bien sûr, nous savons tous l'histoire. Dorcas mourra. Et ce jour-là, Pierre était chez lui. Il n'était pas informé que Dorcas était mort. On l'avait invité parce que j'aimerais corriger quelque chose. On n'avait pas appelé Pierre pour venir ressusciter Dorcas. On avait appelé Pierre pour une service de la prière. Et lorsqu'il est venu, c'est alors que les gens ont commencé à lui faire voir. Non, cet habit que j'ai porté, c'est Dorcas qui me l'a tressé. Ces chaussures que j'ai portées, c'est Dorcas qui me l'avait donné. Et quand il a voulu faire des semblants, on l'a aussi rappelé. Souviens-toi, c'est sur toi que Jésus avait dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Les portes de la mort n'auront pas d'impact sur toi Pierre. Donc, le bienfait que tu fais peut amener Dieu à se souvenir de toi. Le bienfait que tu fais pour ton prochain peut amener Dieu à se souvenir de toi. Et il y a des gens qui disent que non, je donne mes offrandes à l'église, je fais mes bonnes œuvres à l'église, mais Dieu ne se souvient pas de moi. Oui, c'est aussi possible. Le problème n'est pas seulement de donner. Le problème n'est pas seulement de donner, de faire seulement des bienfaits. Non, le problème est aussi d'avoir un esprit d'humilité derrière. J'aimerais te poser la question, toi qui me suis. Quand tu donnes quelque chose à l'église, quel est l'esprit qui t'anime? C'est l'orgueil? Tu veux qu'on t'acclame? Tu veux une visibilité? Tu veux flatter le pasteur? Ainsi, si tu fais ces choses, je t'assure que si tu dis à Dieu de se souvenir de toi, il ne le fera pas. Parce que en soi, tu avais besoin d'une visibilité ou soit tu avais besoin d'une gloire personnelle que tu voulais que les gens te voient. Mais voyez Dorcas, en donnant ce qu'il donnait aux pauvres, il pouvait s'attendre à quoi? Qu'est-ce que le pauvre pouvait lui donner en retour? Quand on parle de bienfaits, on va se confier sans entendre quelque chose en retour. J'attends quelqu'un dire amen. Donc, si c'est l'orgueil qui t'anime, si c'est le buzz qui t'anime, arrête, cherche la face de Dieu. Et celui qui est animé d'un esprit de faire des bienfaits, de bonnes œuvres, il n'attend pas ce qu'on puisse le demander. Mon frère et ma soeur, tu nous suis. N'est-ce pas? Tu veux toujours qu'on te dise que non, pour qu'on organise des séances live, il faut toujours de l'argent. Est-ce qu'on doit te le dire que tu dois toujours nous soutenir? Non. Si tu es animé d'un bon esprit pour pouvoir nous aider, n'hésite pas. Le numéro qui est affiché sur le banc de vos écrans, vous pouvez nous contacter.
et on sera en contact avec vous. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Alors, j'aimerais passer à un autre point. Le troisième point, c'est une ferme espérance. Pourquoi la ferme espérance? Parce que Dieu est souverain. Et nous sommes dépendants. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu est obligé de le faire. Non. C'est parce que tu as dit à Dieu, souviens-toi de moi, qu'il est obligé de se souvenir de toi. Non, 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 non. Tu dois avoir l'esprit de la persévérance, l'esprit de la fermeté. C'est-à-dire, tu pries aujourd'hui, s'il ne le fait pas, tu le fais encore demain. Tu fais aujourd'hui, s'il ne le fait pas, tu fais encore demain. La fermeté va produire en toi l'attachement à la parole de Dieu et la fidélité à ses promesses. Sois persévérant, sois ferme, sois ferme. Or, une personne qui est ferme, la fermeté va aussi créer en lui la patience. Et la patience, à son tour, va créer en toi l'attente. Tu ne seras pas pressé parce que la foi qui est en toi te dira, attends, Dieu viendra pour te bénir au temps favorable. La patience créera en toi l'espoir, même si tout semble aller mal au devant de toi. Mais au-dedans de toi-même, tu seras espéré, tu auras un esprit ferme pour te dire non, avance, Dieu est avec toi. Même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ayez l'espoir, n'abandonnez jamais, parce que une bonne persévérance, une bonne assurance doit créer en toi la fermeté. Et la fermeté doit créer en toi la patience qui doit créer tous ces sous-points que je viens d'énumérer. Et aussi, la patience doit créer en toi la confiance. Elle doit aussi créer en toi le courage. Et pour terminer, la patience doit aussi créer en toi la déconsidération de ce que les hommes disent et la considération de ce que Dieu dit. Là, nous voyons Abraham. Je te donnerai un fils, 80 ans. Je te donnerai un fils, 90 ans. Est-ce que vous ne vous imaginez pas qu'Abraham a été aussi insulté? Mais j'ai lu la Bible. Je n'ai pas trouvé quelque part où Abraham a répliqué les injures. Il avait fermé ses oreilles à ce que les hommes disaient. Mais il avait ouvert ses oreilles à ce que Dieu l'avait dit. Le quatrième point pour terminer. Un bon souvenir fonde sa base sur la prière. Comme Ézéchias. Après avoir eu la nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné son visage vers le mur. Pourquoi il avait tourné le visage vers le mur? Parce que le Dieu de ces temps-là était encore le Dieu de derrière le mur. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était mort, le rideau du temple s'est déchiré en deux parties. Pour nous dire que maintenant, tout le monde peut entrer dans le sacerdoce. J'attends quelqu'un dire amen. Même là où tu es, tu peux commencer à prier. Même là où tu es, tu peux être connecté à la prière. Même là où tu es, Dieu peut te toucher. Dieu peut toucher un domaine de ta vie afin de la transformer, afin de changer, afin de restaurer aussi ta vie. La prière. Or, dans la prière, nous sommes obligés de rappeler à Dieu sa grandeur. C'est ce qu'on est censé rappeler à Dieu, surtout dans notre prière. On n'est pas seulement appelé à rappeler à Dieu, non, Seigneur, fais-moi ceci, souviens-toi, j'ai fait cela. Non, tu dois aussi rappeler à Dieu que non, Seigneur, tu es plus grand plus que la grandeur. Tu es plus grand plus que la grandeur. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans sa prière de notre Père, il nous dit, quand vous serez en train de prier, dites que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aux cieux. Cela montre notre adoration. Cela montre notre adoration. On doit aussi rappeler à Dieu l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ pouvait dire dans sa prière de notre Père que ton règne vienne, que ton règne vienne. Or, un règne vient lorsqu'il y a la puissance et lorsqu'il y a la gloire. Or, la gloire et la puissance de Dieu se manifestent par son Esprit. Donc, il voulait aussi dire, il faut se rappeler à Dieu. Autrefois, nous étions pris dans le piège parce qu'on était loin de ta présence. Lorsque nous étions loin de ton esprit, maintenant, fais-nous venir ton esprit vers nous. Ainsi, tu auras le miracle. Il faut aussi rappeler à Dieu tes besoins parce que tu es son fils, tu es ta fille. La Bible dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
notre pain quotidien. Dieu est ton Père. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. J'aimerais prier pour cette personne qui nous suit en direct. J'aimerais prier pour cette personne qui est conscient qu'il a un problème, qu'il a une difficulté quelque part. Au moyen de cette prière que je suis en train de faire, Dieu a la capacité de visiter ta vie, de restaurer ta vie. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train de nous suivre en direct pendant cet après-midi. Laisse que toi, le Jésus qui s'est souvenu de l'homme à la croix qui t'avait dit « Souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ta gloire. » Si pour un voleur, un mendiant, un brigand, tu t'es souvenu de lui, à combien plus forte raison ces personnes à qui tu as jeté, à qui tu as rejeté le trône est venu sur terre pour souffrir, pour jeter ton sang, pour que tu sois frappé, amené à la mort. Souviens-toi de ces vies. Souviens-toi de ces personnes qui nous suivent. Bénis leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.